Parfois qu'on a une réunion, parfois qu'on a une classe, parfois qu'on a l'école, parfois qu'on a un travail, il y a dit comme ça, il a fait une réunion. Mais réunion, vient quand il problème, réunion ça pas disponible dans la classe là encore. Côté il a fait là sinon pas qu'un côté. Mais pour n'importe comme ça, il a fait un rendez-vous ça, il a fait réunion ça en ligne. Il a dû faire réunion ça en ligne. Mais nous ça là il dit à tout le monde, on va comprendre comment vous parlez. Présenter une réunion ça en ligne, on va comprendre comment vous faites ça. Mais je dis à la vidéo ça, c'est ça qui nous montre comment capable d'installer application qui est le Zoom, comment capable d'utiliser pour capable en contact en réunion en ligne, assister une réunion en ligne correctement gens qui m'ont dit là. OK, pour faire ça dans nous aller sur Play Store, dans télécharger application ça qui écrit Zoom. OK, oui, écrit Zoom. Demandez qui écrit Zoom va faire encore. OK, on peut monter là pour télécharger le code. Même moi j'ai déjà en fait ouvrir sur le code. OK, cliquez sur ouvrir. Là il y a la libre trois options, les deux rejoindre une réunion, les deux inscrits, les deux connexions. Ça les dit que si qui sont réunion pour l'assister, on clique sur premier pour rejoindre une réunion. Si c'est inscrit ou inscrit, c'est pour une forme de sur application, on clique sur inscrit. Si vous avez un compte déjà ou sur les déjà, vous voulez connecter votre application sur connexion. Moi-même, je fais compter sur les, je fais monter ma montre comment pour capable monter sur le fait qu'on va cliquer sur inscrit. Donc, cliquez sur inscrit là, cliquez sur Zoom et vous faites toujours. Là, il y a un de vous mettre année naissance. On va mettre année au défaite là. Ok, mais je vais mettre pas maintenant et je vais faire continuer. Là, il y a là. Donc il a demandé pour mettre email, on va mettre email. OK, là on peut mettre email mais là qui ça m'a fait continuer. Là il dit comme ça, il voit un code vérification pour moi par email ça. On va sur email moi pour mal capable prendre. OK, il vient d'envoyer là ou bien si vous pas essayer de mettre ça cliquer en bas là côté qui dit vous avec pas contenu de code on va cliquer là pour envoyer encore. OK, moi pas sur email moi mal pas encore ça. OK, ça c'est code là ça qui dit 65 36 60. Et tout démarre pour lui. OK, là il veut là il m'a dit pour mettre un prénom, nom familial et un mot de passe. OK, que ça qui sera fait là on va mettre un prénom, mettre prénom et des prénoms et puis on va mettre signature là. Là il m'a dit pour mettre un mot de passe, on va mettre un mot de passe. On va créer comme ça, on va mettre un mot de passe. Un mot de passe qui est 8 caractères, on va mettre des chiffres. On va mettre des chiffres, on va mettre des lettres, on va mettre des symboles, on va mettre des lettres. Mais on va mettre 1, 2, 3, 4. Ok? On va mettre 1, 2, 3, 4, puis on va mettre 1, 1, 1, 1. Puis on va mettre 4, 1. Ok? On va créer là rapidement. Ok? Vraiment, mettez ça là, il est en dit, il est OK correctement. OK? Donc, il mettez là, vous n'avez pas cliqué sur créer un compte. Cliquez sur lui. Je dis non, pas enregistré. Là, je me demande, est-ce que vous voulez recevoir la cloche de notification? Je dis oui, je vais activer là. Je dis autoriser. Ok, là, il y a la conseil de me demander qui sont les utiliser. Est-ce que c'est mon Gmail? Je dis oui, et tout connecté. Je dis connecté sur le compte Gmail. Ok. Ok, là, on va la conseil de nouveau dans la fenêtre. Vous venez faire ça comme ça, vous devez mettre un mot de passe encore avec Gmail ou vous pouvez pas oublier et puis vous pouvez ouvrir avec vous correctement. Vous mettez Gmail là encore et puis là vous mettez un mot de passe là, mot de passe vous faites mettre là. Ok, vous mettez le mot de passe sur, vous faites ce
cliquer là sur là, on va faire signe. Ok. Là vous mettez email là encore, vous capable continuer. On va faire continuer. Là il m'a pour accélérer ça y est quelqu'un va essayer. Ok. On va faire continuer. Là il vous est un email par où. Ok. Après continuer là encore. Là, je me demande est-ce que vous voulez mettre une empreinte digitale comme si vous avez sur le cap mettre une empreinte digitale pour connecter avec le cap. Sur le cap, vous dites oui, vous activez. Sur le cap, vous dites non. Même moi, je dis non, pas besoin d'empreinte. Ok. Là, je me demande non, là, correctement, je dois changer une image de gauche. Ok. Sur le cap, vous mettez un logo, cliquez là. Vous pouvez prendre un logo, une photo de profil, quelqu'un. Vous choisissez une photo même. Là, on va mettre une photo de chaîne moyen, quelqu'un. Ok. Enregistré. Ok. L'image est là correctement. Là, on commence à vous mettre non affichage. Non affichage, là, comme si vous mettez un nom utilisateur. Ok. Un nom affichage. Là, comme si vous personnalisez votre profil. Non, on est en bas là, je vais mettre un nom. Ok. Mais déjà, pour un nom là correctement, est-ce qu'on va mettre non là-dedans là correctement? Ok, est-ce qu'on va mettre non sur le va mettre non sur le va mettre non. Ok, si on dit mon qui est là, on va quitter non là dedans, on va retirer non. Ok, m'a quitter non là comme ça. Ok, on va faire continuer. Là, il y a un mando sur l'utiliser gratis pour payer quoi. On va dire pas mettre non, on va cliquer sur pas mettre non. On va ici. Et puis là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Bienvenue dans Zoom. Aïe, vous presque fini là. La nouvelle application. Ok. Vous cliquez sur démarrer. Ok. Je vais regarder là. Application qui est installée. Normalement, tout le bagage qui est en. Ok. Là, normalement, chaque nous là. Tout le bagage qui est en forme là. Ok. Tant pour là, vous faites tout le bagage pour assister à réunion. Tout le bagage pour le thème. Ok. Maintenant, nous finissons d'installer avec vous là. Maintenant, si nous disons que. Nous allons apprendre comment pour connecter logo réunion bah ça y est programme quelconque pour participer nos réunions qui soit pour appliquer là là le bon mot dans réunion cliquez sur plus ça là participer. Ok, là il veut là qui ça fait là mon invite nos réunions il mon un code pour le voir il a un code ID un code ID ouais tout mettez dans les amener ID de réunion ID mon un code pour le voir où pour capable. Voilà, tout le monde, c'est réunion avec une nom et des salles de réunion. Ok, des salles de réunion. Ok, vous allez mettre le code ID là. Ok, et bien comme ça. On va prendre combien de codes liés. 4, 10. Ok, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Code ID c'est 10 chiffres. Quoi. Ok, donc vous mettez le code ID là. Le code de réunion, vous mettez le code ID là. Et vous appuyez sur tout le monde là. Et vous allez cliquer sur participer. Le film est de participer là et puis tout bien ok. Ok. Sur les là où il y a un bala, on dit qu'on peut connecter son. Ok. On peut connecter son là ou tout connecter son. On dit ne pas connecter au son. On dit ne pas connecter son. En bas, on dit arrêter ma vidéo. Ok. Le film clique là, on dit arrêter ma vidéo. Continuer avec là. On peut faire participer. Mais son faux code m'a été, le code là va passer. Ok. Malgré ça, il est passé. Ok, mais je dis mais pas bon quand même parce que je ne connais pas bon. Je retourne même d'air. Ok, parce que il pas bon. Ok, mais si code là t'es bon, son code vraiment réunion là, on a dit vraiment réunion là, il tout bail d'abord. Ok, c'est façon, meilleure façon capable de connecter nos réunions. Ok, deuxième façon capable de connecter nos réunions encore, c'est là où vous voyez le link là-bas. Ok, là où vous voyez le link là-bas. Là où vous voyez le link là-bas, vous c'est dans la deuxième option ça là. Vous voyez le lien, vous cliquez là pour dire une nouvelle réunion. Vous cliquez là. Ok. Là, vous êtes capable de commencer une réunion. Ouais, commencer une réunion. Ouais, vidéo active, utiliser personne pour réunion. Ok. Ça, c'est le code ID. Mon envoyé là, le envoyé là, il va venir là tout pour dire commencer une réunion. Réunion. Ok. Parce qu'il va commencer pour continuer pour commencer. Ok. Tu vas aller là.
côté qui dit programmer. Programme, on clique sur lui. Là, c'est l'on a créé une réunion, capable de programmer une réunion. Là, c'est où qui vous mettez là, on va programmer une réunion en ligne, on va mettre tout le monde, tout le monde, programmer une réunion là, tout le détail là, on va capable faire là, tout pour qu'on est capable de programmer une réunion en ligne, quoi, ok? C'est 4 étapes, ok? 4 étapes, ok. La dernière étape là, il doit partager l'écran. Partager quand c'est l'on fin créé, l'on fin parler là, on va cliquer là. Là, c'est là où elle mettait clé partage. Clé partage, clé ID. On mettait un code ID là, ok? On mettait un code ID là, c'est là que vous pouvez partager. Vous pouvez vous faire partager li, entre les clés de partage, ID de réunion de partage dans une seule salle, ok? Si vous êtes capable de partager réunion, ça vous fait tout pareil correctement. Là, c'est vous êtes capable de chat. À partir de là, vous êtes capable de chat. Capable chat ou capable faire recherche dans le monde ou capable écrire avec dans le sous pas capable faire réunion ou bien faire réunion chat ou capable écrire mon nom sur le lit ou quelqu'un même vous connaissez mon nom SMS dans le groupe tout capable créer un groupe là tout vous faites tout bas avec correctement écrire mon nom dans le groupe correctement, ok? Là c'est parti qui gagne email ou ok là vous passez ou capable démarrer par email et venir zoom par email par écrit email zoom par email quelqu'un là c'est calendrier. Là c'est capable de calendrier bienvenue sur calendrier capable de programmer tout by word, ok? Là côté qui dit plus là là ça c'est toute information pour vous qui là que vous créez tout by word là côté mais tout ça c'est information vous normalement, ok? Après déjà dire mon connecté tout le monde connaît comment vous capable installer une application Zoom pour faire réunion tout by word correct. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.